Notre église se situe à 5 minutes du tram A dans la rue du Languedoc. On y va, c'est parti. Alors, si vous arrivez en voiture, vous pouvez vous garer sur le parking ou dans la rue. Quelques points de place, comme vous avez pu le constater. Et l'entrée, c'est par ici. Allez, on y va. Voilà, on y est. Et là, c'est l'entrée. Si vous avez une petite question, vous pouvez demander aux personnes qui ont un badge accueil et qui font partie de l'équipe accueil. Si vous êtes là un petit peu en avance, vous pouvez profiter d'un café. Je vais en profiter parce que je suis fatiguée. Et bien sûr, de discuter avec à droite, à gauche, Mira, Célia, Anne Bune, voilà, qui vous voulez. Bienvenue. On commence généralement par un temps de quelques chants. On vous laisse profiter quelques minutes. Un petit moment pour se saluer les uns les autres, dire bonjour à nos voisins. Et si vous avez des enfants, c'est aussi à ce moment-là qu'ils peuvent rejoindre les autres enfants pour un temps d'activité autour d'une histoire de la Bible. Donc, là, il y a les toilettes. Si vous avez besoin, on en a au moins 5 dans toute l'église. Vers là-bas, il y a la salle de la garderie. Donc, si vous avez un bébé, vous pouvez venir dans cette salle à tout moment pour vous en occuper et même suivre le culte en audio. Là, c'est pour les enfants. Hello! Avec cette version, cette traduction, les collecteurs d'impôts et autres pêcheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi, donc les gens religieux, sont indignés et disaient: cet individu. Donc là, vous entendez le nouveau de la musique, c'est le dernier chant, le culte se termine en général par un dernier chant. Et il y a aussi la prière qui est proposée pour ceux qui en ont envie au fond de la salle. Le culte se termine vers 11h30 et vous pouvez encore prendre un café et discuter. Et c'est tout. Bienvenue à tous.